Pour le poulet, vous coupez votre poulet en deux. Dans le dos, ici. Un joli poulet de 2 kg, 2 kg 200. Vous le coupez en deux. Vous enlevez la colonne vertébrale et vous avez ce qu'on appelle un poulet en crapaudine. Alors moi, je vous donne un conseil. Vous ajoutez dedans un petit peu de sel, de poivre, de piment, de paprika, du piment d'Espelette. Pas du piment trop fort. Vous le laissez mariner 5-10 minutes et ensuite vous le mettez dans votre tarte révolution. Et là, pas de préchauffage, rien du tout. Vous mettez votre poulet, vous versez le couvercle qui va rester entrouvert d'environ 3-4 cm. Vous ne faites rien. Si vous regardez la télé, vous lisez un journal et vous laissez cuire votre poulet, entre 20 et 25 minutes, vous passez à table. Vous avez un poulet comme vous l'aimez. Croustillant, juteux, il n'aura pas perdu son eau de cuisson. On va être dans le bonheur absolu, à la limite de l'outrage. À mi-cuisson, ce que je conseille, c'est d'ouvrir. Vous mettez quelques oignons émincés, 2-3 tomates, une petite feuille de laurier, un petit bouillon si vous voulez. Et hop, on recontinue. Et là, le fumet des oignons, de la tomate, un vrai poulet de bonheur. Bon appétit! Tu as sorti maintenant ici, venez vous approcher des deux côtés. Ah oui, c'est fermé. Hein. Voilà, le temps que en je. En direct de la foire de Nice. Bon, on lui en prend. Allez, vous avez mérité qu'on vous entraîne. Non, mais alors, si je vous raconte une bêtise, vous allez dire celui-là, je l'ai vu à la télé, je ne reviendrai plus, je ne peux regarder, je ne peux rien lui acheter. Vous y allez en tant qu'étude. Vous savez, à télé-shopping, on est comme tous les commerçants, on a des produits de qualité. J'ai sélectionné les produits qui sont des produits phares de l'émission. Vous savez combien on en a vendu en 3 ans? 700 000 pièces. Allez, pour le coup, je me fais assez le prix avec. 700 000 pièces, rendez-vous compte.